QSO avec l'ami Joël. En attendant d'avoir quelques stations sur l'Hexagone, là, puis après, bah, c'est plutôt le QSY qui ont bien service. Hein. Ok, bien content de t'entendre. Hein. Là, on a rayon de soleil, dis-donc. On a rayon de soleil depuis ce matin. Il fait sombre. C'est vraiment, vraiment un temps un peu pourri, là, avec en cause de la grêle qu'on a pris tout à l'heure, là. Et donc, j'espère que ça va un petit peu s'améliorer, mais apparemment, j'ai entendu dire qu'ils allaient annoncer ça jusqu'à la fin de la semaine. Donc, ça sera pour toujours faire attention. Quand il y a des temps comme ça, il faut couper les aériens parce que moi j'en ai eu qu'on criait il y a quelques années. Hein. Voilà, je t'en passe le micro, le signal vient à l'écoute. Oui, merci Joël du retour micro. Ben nous là, ça s'est levé cet après-midi là. Il y a quelques petits nuages blancs, mais grand ciel bleu derrière et grand soleil là sur la ville de Saujon. Joël, oui, avec ta permission, là, je me suis permis de prendre une petite vidéo là pour ma chaîne, vu que tu passes très 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 bien. Donc, si tu veux la voir, c'est sur la chaîne 14FRS 3770 François deux fois. François, voilà, 14FRS 3770 François. Est-ce que tu peux me rappeler ton QTH, Joël, la 14FRS 14 uniforme Foxtrot 123, la Charente-Maritime à ton écoute. Ok, François. Mais écoute, je suis dans la ville de Vaucouleurs. La ville de Vaucouleurs, c'est le pays de Jeanne d'Arc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France. Voilà, donc c'est dans le sud-meusien, le département de la Meuse, sur le Grand Est. Mais en général, j'annonce Verdun, parce que si tu annonces une petite ville qui est pratiquement pas connue, les OM te leur annoncent Verdun, ils savent où c'est. Hein, ils savent où c'est, où ça a pété. À savoir que c'est une ville qui a pris une tonne d'obus au mètre carré, donc c'est une région quand même qui a bien souffert pendant la guerre de 14, hein, elle est riche en histoire. Voilà, donc moi je suis plus côté médiéval, hein, la ville de Vaucouleurs sur Jeanne d'Arc, voilà, sur le Grand Est. Je suis la Meuse, un peu comme une pomme de pin, moi je suis tout en bas. Je veux dire que je suis à 10 km du département des Vosges, je suis à 7 km du département de la Meurthe-et-Moselle et je suis à 7 km de la Haute-Marne. Voilà, donc je suis très 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 limitrophe sur les autres départements. Retour micro pour les QSO. Ok Joël, bah, je te confirme, hein, ça passe, c'est toujours un bon signal 95 bien tapé là de mon côté, une très très bonne radio, hein, ça fait plaisir de se réentendre dans d'aussi bonnes conditions. Voilà, j'ai été faire un petit tour sur le 555, mais c'était un petit peu le bazar, et en tournant la galette, voilà, bah, je retombe sur les amis, ça fait plaisir. Oui, moi là j'attends toujours des OM là pour m'aider à monter le fameux pylône, hein. C'est pas encore, ça n'a pas encore été fait. Là, pour l'instant, l'entron, elle est quand même à une dizaine de mètres du sol, donc ça me permet quand même de faire de bons contacts. Mais après, après 18 mètres, ça devrait encore faire encore mieux l'affaire là pour les stations du nord de la France. Et éventuellement, j'aimerais bien aussi avoir quelques amis de la région parisienne. Mais alors, pour rentrer dans Paris. C'est tout un truc, hein. Ils ont pas mal de parasites de leur côté, et puis ça trafique aussi pas mal en local. Donc faut quand même arriver à les recevoir, voilà. Et puis la Bretagne, la Belgique, il y a pas mal de hommes que je connais dans ce coin-là, donc ce serait pas mal. Hein. Je suis quand même, j'ai quand même beaucoup de couloirs de mon côté là ouverts sur le. Ben, sur le sud-est, sud-ouest, ben, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, ça n'en parlons pas, même sans propagation, c'est tous les jours. Et puis après, beaucoup plus loin, mais ça, c'est quand il y a vraiment de la grosse propagation. Voilà, Joël, je te retourne le micro. Ok, donc c'est François pour le retour micro, 100% QSL, hein, toujours trilinéaire au niveau de la radio, donc ça fonctionne très bien. Ah, tu parlais des SRS, bah écoute, moi je suis 1697 en SRS, là. Ah, tu dis, tiens, pourquoi pas, là, j'aime bien adhérer un petit peu à tous les groupes. Ok, pour information, tiens, j'ai un site qui tourne pas mal là, depuis pas mal de temps, et il suffit de taper UAR55, Uniforme Alpha Romeo 55. Et j'ai un OM, là, le roi de la bricole, qui s'appelle Jean-Émile, là, qui fait des tonnes de choses et on fait des vidéos. Bon, il a un site perso aussi, mais il est sur le site de l'URR, et puis tu verras un petit peu le tronc guidé, et puis tu verras aussi ma pomme. Hein.
tu verras aussi ma pomme, il y a quelques stations qui ont accepté de se mettre sur le site. C'est une amicale, hein, c'est pas un club. On est groupé, on est à peu près entre 50 et 75. Ça va, ça vient, mais j'ai préféré créer une amicale qu'un club. Et puis sur le Grand Est, et puis ça fonctionne très très bien quand on fait des journées de la radio, des choses comme ça, il y a pas mal de visites. Voilà, mais écoute, je t'en passe le microphone, ça a tombé, c'est reparti. Alors moi l'antenne, bah, je sais pas si t'as entendu tout à l'heure, hein, c'est un, on va dire que c'est un clonage de BT101 Astroplane avec une 5/8 d'onde, c'est, on a fait une grosse antenne quoi, et elle sort pas mal de gains, elle est aux alentours, d'après mon fils, il a calculé, là, c'est un mathématicien, et il m'a dit qu'elle pétait, 8 dB, à peu près 8 dB quoi. Donc c'est pour une verticale, c'est quand même assez important, mais ouais, 8,85 m d'antenne pour une 11 mètres, on est presque à l'onde entière, quoi. Bon, c'est pas du 100% de l'onde entière aussi, hein. Voilà, et bien écoute, je suis bien content, François, de t'avoir entendu, j'espère qu'on aura l'occasion encore de croiser les aériens. Ok, pour la vidéo, c'est enregistré, hein, voilà, et je te souhaite une excellente fin d'après-midi, d'excellents contacts, et ma foi, le Grand Est, département de la Meuse, te salue. Je te laisse au micro pour le final. Victor Hôtel 055, Joël à l'écoute. Ok Joël, ben merci beaucoup du petit contact. Oui, ben oui, je vois que l'antenne marche très très bien, c'est du 100%, hein. Je pense qu'on va avoir l'occasion de se recontacter sans aucun souci, hein. Je viendrai faire un tour aussi sur ces bandes là moi le soir on est sur le 960, hein, 27 960, un tout petit peu plus haut. Donc si t'as l'occasion aussi le soir de trafiquer, n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou. Voilà, c'est la fréquence locale là, du coin en USB, 27960, donc n'hésite pas à venir nous saluer. Et puis moi, dans ma recherche de fréquence, hein, si je te réentends, bah, j'hésiterai pas à lancer un petit break. Bah, je te souhaite une excellente fin de journée, les amitiés à ton QRA, Joël. Et puis bon DX à toi là pour la fin d'après-midi. Je te souhaite une excellente semaine. Voilà Joël, je te retourne le micro pour le final. Je salue les stations qui sont aussi derrière les SWL et puis ceux qui vont bientôt prendre le micro là pour te joindre. Joël, je te retourne le micro pour le super final. Ok, François, tu es Eric, c'est là que j'avais entendu quelque chose. Non, les ON sont bien élevés, il n'y a pas de surmodulation. Ok, François, bah écoute, c'était une excellente soirée. Ah bah, en DX en ce moment, je me suis bien amusé. On a un peu la Roumanie nous qui passe, on a la Pologne, la Biélorussie. Et puis j'ai battu hier corps ce matin, j'ai fait la Laponie. Voilà, donc c'est en plus un OM, c'est un OM français, voilà, donc qui est en Laponie et j'ai réussi à faire le contact avec lui. Alors c'était pas mal, ça fait plaisir ça. Merci pour le contact. Ravi de t'avoir entendu, toujours avec grand plaisir évidemment de croiser les aériens et bonne fin d'après-midi. Voilà, les stations qui veulent se manifester, je leur propose de prendre le micro. Victor Hôtel 055, Joël, à l'écoute. Ok Joël, pour petite info, les îles Kerguelen il y a 2 semaines, voilà, ça c'était aussi mon petit record. Voilà, bah, je te dis à très bientôt Joël et encore un grand merci à toi, bon après-midi et bon contact. Merci François, bonne fin de journée. Et j'ai entendu un FRS, alors faut pas parler trop vite parce que c'est assez compliqué. Il y a quelques Irlandais derrière qui me chatouillent les oreilles, c'est petit, mais voilà, donc faut prendre le temps de parler. Voilà, station Chérouen, FRS indicatif, prénom et en avant. Voilà les amis, c'était 14 FRS 3770 pour les bandes PMR et 14 Uniform Foxtrot 123 pour les bandes HF qui vous salue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous intéresse, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, éventuellement en PMR numérique ou en analogique. À très bientôt les amis, c'était François, la Charente-Maritime qui vous salue et qui vous souhaite de très bons DX à vous et de très bons contacts. À très bientôt.